installer notre tapis en corde de 70 cm de diamètre, il nous faut une corde de 35 mètres de longueur, 5 sprays de peinture de différentes couleurs et un spray de sous-couche, une règle, un crayon, une gomme, une paire de ciseaux et de l'adhésif de masquage, deux demi-cercles de liège d'un rayon de 35 cm préalablement découpés dans un rouleau et de la colle. Première étape, bien installé à plat sur le sol, roulez votre cordage intégralement au colimaçon. Puis, muni d'un crayon et d'une règle, marquez les repères des futurs segments de couleurs en partant du centre du tapis. Il est maintenant temps de préparer notre tapis pour la mise en couleur. Pour ce faire, découpez des morceaux d'adhésif de masquage et venez les coller au niveau des repères préalablement dessinés sur le tapis. Ceci nous permettra de peindre au spray sans déborder. Appliquez maintenant le spray de sous-couche sur tous les segments délimités par les adhésifs, d'un bout à l'autre de la corde. Il permettra une meilleure adhérence du support. Utilisez éventuellement une buse à diffusion plus large, ici la rouge, pour travailler plus vite. Après séchage de la sous-couche, appliquez les différentes couleurs choisies dans les segments. Ici, rose, jaune, bleu pastel et vermint. Après quelques heures de séchage, le tapis est prêt à être enroulé. Posez maintenant la colle sur toute la surface de votre tapis en insistant bien sur les bords. Puis, collez vos deux demi-cercles de liège sur le tapis en appuyant fermement au centre et sur les bords. Le dos de votre tapis est prêt. Dernière étape, avec un crayon et une règle, marquez trois petits points repères sur les bords et à l'intérieur du tapis pour composer un triangle. Collez de l'adhésif de masquage pour délimiter votre triangle en appuyant fermement sur le support. Disposez des feuilles de papier autour de la zone pour protéger le reste du tapis des diffusions de peinture. Vaporisez à nouveau la sous-couche sur la surface à colorer. Après séchage, appliquez la dernière couleur, teinte lavande, pour former le triangle. Retirez délicatement vos adhésifs de masquage. Votre tapis est prêt!